Cardi B se lance dans la voyance. Non, mais est-ce que tu t'attendais à ce genre de news? J'aurai aussi une deuxième news pour vous, les gars. On parlera de DaBaby qui compte faire un film sur sa vie façon Get Rich or Die Trying de 50. Sans plus tarder, let's go pour les news. Bon, c'est une news qui est passée, mais vous pourrez trouver des rediffusions sur YouTube ou bien sur Instagram. Tu vas me dire dans les commentaires, ouais, mais j'étais au courant. Mais frère, c'est pas tout le monde qui est au courant, hein. Il y a tellement d'artistes que tu peux pas suivre les news de tous les artistes. Tu peux pas être au courant de tout. Alors, Cardi B faisait la voyante du 26 décembre jusqu'au 31 décembre sur Instagram. Elle donnait des prédictions, des conseils à ses fans via la messagerie Instagram d'un compte dédié Cardi B Thrift Taylor. Pour annoncer cette nouvelle, Cardi B avait posté une immense photo d'elle vêtue d'un costume en diamant et saphir bleu et noir. Entre ses mains, elle avait une boule de cristal pour voir l'avenir. Il y a un fan qui lui avait demandé une explication pour cette publication de cette mystérieuse photo. Et Cardi B a répondu à ce fan, je dis l'avenir, mais je ne gâche pas la surprise pour autant. Le compte Instagram a déjà plus de 55 000 personnes. Mais en tout cas, c'est bien que Cardi B se diversifie. Mais je ne m'attendais pas que ça soit dans des domaines comme ça. Et ça se trouve, dans deux mois, Cardi B, elle va faire du vaudou. Bref, maintenant, on passe à la deuxième news qui est sur DaBaby. La news la plus récente sur DaBaby, c'est qu'il avait annoncé qu'il allait arrêter le rap dans 5 ans pour se consacrer à son label. C'était auprès du magazine XXL qu'il s'est exprimé. Il avait dit, dans 5 ans, mon label Billion Dollar Baby Entertainment fera partie des labels les plus chauds du game. Dans 5 ans, j'aurai pris ma retraite, je créerai d'autres superstars. Puis, un biopic. C'est ce que je ferai en premier. Un biopic d'abord, puis ensuite je ferai d'autres films. J'ai déjà envoyé le scénario de mes jeunes années jusqu'en ce moment. On lui a posé la question s'il voulait faire un projet façon 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Il a répondu, je vais partir de là, ce sera une histoire folle. Mon histoire est barrée et ça devient de plus en plus fou. J'ai tout vu, ça va être bon. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur DaBaby. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces deux news. La news principale sur Cardi B et de la deuxième news sur DaBaby. Est-ce que vous attendez un film biographique sur sa vie, quoi? Bon, je pense pas qu'il sera aussi mythique que celui de 50, mais ça pourrait être intéressant de voir celui de DaBaby, parce que je le rappelle que DaBaby, il est quand même connu pour avoir tué un mec dans un centre commercial qui le menaçait alors qu'il était avec sa famille. DaBaby, et il l'a tout simplement tué avec une arme à feu. C'est parti en justice, mais DaBaby, il a rien eu puisque c'était de la légitime défense. Bon, ça, je pense que vous le savez tous, hein, c'est une histoire très connue de DaBaby, mais je pense qu'il a eu d'autres trucs dans le passé qu'on ne sait pas forcément, et ça pourrait être intéressant de savoir ça dans son film. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. Ooh. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Yeah. Hold my stuck up on me, so I call it Velcro. Yeah. Need my dinero, yeah. Pendejo. Hit my metro if it's about the pencil, yeah. Like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the biggest endo. Bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Hey. To wet your babe up, Michael Phelps with it. Hell.